bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors voilà, je me permets d'intervenir, car j'ai lu pas mal d'informations fausses en ce qui concerne l'épidémie de la Covid. Les gens disent un peu n'importe quoi, on va chercher des chiffres à gauche, à droite, c'est assez confus, c'est le bordel, hein. Faut quand même avouer ce qui est. Donc moi j'ai tout recensé, j'ai travaillé toute une nuit sur un schéma, pour vous expliquer en deux mots, clairement, le plus clairement possible, hein, que ce soit le plus limpide possible, comment ça se passe en France au niveau de cette épidémie. Alors, je vous ai préparé une carte de France qui va vous éclairer tout de suite. Voilà. Alors, bon, déjà, hein, parce que au niveau des... Parce que, bon, alors les gens... Ouais, alors que... Non, mais les mecs, ils, bon, c'est voilà les réseaux sociaux. Alors bon, que ce soit clair, là on voit bien, hein, on constate même, je dirais, on constate que bon, parce que attends, parce qu'il y en a qui disent que, mais bon, les mecs, je vais dire, des toutologues quoi, tu vois, les mecs, on se demande d'où ils sortent leurs infos. Alors que moi, là, bon, là, il est clair que bon, on constate tout de suite, on s'aperçoit, hein, n'est-ce pas, que bon, attends, oui, non, mais faut pas. Parce qu'il y en a qui mélangent tout, quoi. Et là, on s'en sort plus, quoi. C'est un vrai bordel. Alors bon, revenons à nos moutons. Hein. Bon, là, en l'occurrence, c'est pas des moutons, hein, c'est le virus. Mais bon, on se comprend, quoi. Bon, non, je sens que je vous perds, là. Hein. Alors, on efface tout, hein, et on recommence. Bon, alors, je disais que prenez des notes, vous pouvez. Hein, mais vite, parce que là, moi, je peux pas non plus. Voilà, alors là, on s'aperçoit bien, hein, que bon... Hein? Si, quand même.